はい、あります。はい、Greek grandfather was Swedish. We're in the right chairs. Yeah. Everybody's yes. in the right chair. Yeah. Okay. Thanksgiving and all that people have. But I don't want, yeah. Don't want to sit. I'm hanging on for this session. Someone is on silent. Good afternoon, everybody. Thank you for. Bon après-midi à tous et merci d'être parmi nous pour ce panel. Et nous allons parler des défis de gouvernance à l'ère numérique pour trouver de nouveaux outils pour l'élaboration des politiques. Donc nous serons peut-être un petit peu ralentis après la pause déjeuner, mais je vous remercie d'être parmi nous. Je souhaiterais commencer tout d'abord par recommencer Ben Wallace et Marie Pascanales pour l'organisation de ce panel du MAG et le sous-secrétaire. Il devait animer ce panel à l'origine et il n'a malheureusement renoncé à le faire. Et c'est la raison pour laquelle je suis David Callier et je remplace le secrétaire général. Et je suis du bureau du secrétaire général. Je suis conseiller politique et je pense que ma formation est parfaitement appropriée pour animer la séance. J'aimerais commencer par vous dire que la façon dont nous élaborons les politiques au 21e siècle vont être différentes de celles du 20e siècle concernant le numérique, parce qu'il y avait des thèmes tels que l'énergie nucléaire et l'espace étaient organisés par l'État. Et là, nous parlons d'intelligence artificielle, de chaînes de blocs également, et ce sont également des moteurs du secteur privé. Et les solutions numériques, eh bien, comme il avait dit dans son introduction, vous aviez des processus qui prenaient souvent des ratifications qui sont beaucoup trop lentes, ça dure 5 à 10 ans, et c'est la raison pour laquelle ça ne conviendra pas au 20e siècle avec la vitesse d'évolution des technologies. C'est la raison pour laquelle nous devons avoir une autre approche d'élaboration des politiques. Donc, nous allons commencer par nous penser sur un processus avec interdisciplinaire, et merci d'être parmi vous pour vous faire part de cette idée. La deuxième partie de notre conversation va se pencher sur les exemples, sur la façon dont cette approche pluridisciplinaire de l'élaboration des politiques
fonctionne ou ne fonctionne pas, et nous aurons des exemples des deux. Je vais commencer par vous présenter les panels de haut niveau que nous avons ici parmi nous. Donc, Molly Lacha, merci Molly d'être parmi nous, qui est de l'OCDE. Et Molly soutient les parlements dans leur politique numérique, mais de formation, Internet et sa formation est pluridisciplinaire également. Elle a déjà travaillé auprès de la réserve fédérale également, donc merci d'être avec nous. Ensuite, nous avons Sophie Persson. Merci, Sophie, d'être parmi nous, qui est directrice de l'équipe de l'innovation pour tous auprès de la Chambre internationale du commerce. Et donc, elle est en charge également du programme de l'ICC pour les programmes de technologie, de communication également, et pour faciliter en fait l'accès des entreprises aux communications et aux technologies de la communication. Et madame avait une formation en fait très, très large, à savoir qu'elle a fait des études de médecine, de relations internationales et de technologie. Donc, je suis ravie de vous avoir vous également. Nous avons Chetan Kumar également parmi nous, qui est chef de programme auprès du GPD, de la société civile. Et je suis ravie qu'elle soit parmi nous également aujourd'hui. Et en extrême gauche, Safari Neshuti, qui est membre du Parlement pour le nord du Kivu dans la République démocratique du Congo. Et c'est un panel très intéressant. Et vous êtes actif notamment dans les domaines des télécaps de la jeunesse, mais également de l'égalité des sexes. Et vous avez également une formation très pluridisciplinaire, parce que vous avez été chef des technologies également pour un programme dans le nord du Kivu. Donc, je suis ravie que vous soyez parmi nous aujourd'hui. Vous allez donc tout d'abord avoir une intervention des différents membres du panel en introduction, et ensuite, nous allons avoir une série de questions, et après, nous aurons les questions du public. Donc, nous allons en prendre 3 ou 4 lors de la première partie de notre session, puis une deuxième partie avec une nouvelle série de questions. Donc, on va commencer par Molly. Qu'est-ce qu'on attend vraiment des processus pluridisciplinaires d'élaboration des politiques? Parce que ça peut paraître complexe également, et j'espère que vous pourriez nous présenter donc la perspective de l'OCDE, comment, à quoi ça ressemble, et je sais que vous allez nous montrer quelques transparents, et je vous en remercie d'avance. Merci beaucoup. Je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui et d'avoir la possibilité de parler des défis de la numérisation, et je suis ravie d'avoir l'occasion de parler parce que les personnes, les entreprises, les gouvernements doivent contribuer à forger un avenir numérique qui profite au mieux des possibilités offertes par les technologies numériques. L'OCDE travaille à plusieurs projets de numérisation, et il y a 20 différentes communautés politiques dans le cadre d'un projet de 2 ans et demi, à savoir que nous avions de très nombreux différents acteurs qui ont développé ensemble une stratégie pour que cette transformation numérique soit positive et inclusive. Et cela a permis donc d'établir un cadre de politique d'intégration numérique. Nous avons mis en place également une boîte à outils. Il y a différentes dimensions politiques. Tout d'abord, il s'agit d'améliorer l'accès à la communication et aux structures ainsi qu'aux données. La deuxième chose, c'est d'améliorer également l'utilisation des technologies numériques et des données. Troisièmement, il s'agit de libérer l'innovation numérique. Le troisième consiste à assurer le bon emploi pour tous. Et la clé ici est de bons emplois. Et enfin, il s'agit de promouvoir la prospérité et l'inclusion. Cinquièmement, il s'agit de renforcer la confiance. Et septième pilier, promouvoir l'ouverture du marché et l'environnement des affaires numériques. Chacune de ces dimensions synthétise différents domaines politiques et nécessite une coordination efficace. Cette approche souligne que ces 7 piliers sont nécessaires pour que cette transition numérique soit un véritable succès pour tous, car vous pouvez avoir les meilleures infrastructures et avoir les meilleurs services. Mais si les personnes ne font pas confiance à Internet, eh bien, ils ne les utiliseront pas. Si les personnes n'ont pas les compétences d'utiliser les technologies numériques de manière efficace, les promesses de la transformation numérique diminueront. C'est la raison pour laquelle ces 7 dimensions soulignent également la complexité et la nature interreliée de cette transformation, et aident également de montrer quels sont les rapports que nous devons établir avec les actions politiques nécessaires. Et vous avez un document qui vous est
proposé sur la table également, donc que nous avons imprimé. Et de nombreux pays ont une stratégie numérique ou une stratégie similaire en place. Mais seuls font véritablement la promotion d'une approche gouvernementale dans le cadre de ce cadre. Les éléments clés d'une telle approche incluent généralement des priorités claires et des objectifs, ainsi que des cibles mesurables, bien, avec des responsabilités bien définies, qui permettent d'assurer la cohérence entre les stratégies de transformation numérique ainsi que les autres objectifs nationaux, notamment les ODD, et également un budget suffisant qui soit alloué aux nombreux ministères. Et ici, nous parlons donc de l'ensemble de ceci. Et nous savons que la coordination et la coopération dans les différents ministères et les différents organismes à différents niveaux de gouvernement est difficile. Et nous savons également qu'il faut inclure également les différents acteurs. Mais comment le faire de manière pratique? Nous avons constaté, sur la base des institutions existantes, comment est-ce que le gouvernement peut structurer et contrôler. Mais ce qui est clair, c'est que les technologies numériques peuvent également aider à améliorer ce processus. J'ai vu un certain nombre d'expériences de consultations publiques qui utilisent les médias sociaux pour obtenir les réactions directes de la population concernant des changements politiques. Donc, il y a des évolutions qui se font, pas uniquement au niveau technologique, mais également dans les processus d'élaboration politique en tant que tel. Et c'est quelque chose qu'il faut soutenir. En bas de ce transparent, vous voyez une adresse, un lien qui vous mène à notre boîte à outils pour pouvoir mettre en œuvre une stratégie numérique efficace. Et vous avez des ressources clés, notamment des indicateurs, mais également des lignes directrices politiques. Je serais vraiment ravie de dire que la semaine dernière, nous avons remporté un prix dans un concours international sur la visualisation des données interactives. Donc, consultez-les, car nous avons obtenu donc une étoile d'or pour ce lien. Et il s'agit ici donc de lois non contraignantes. Il s'agit également d'un sacré. Par exemple, nous avons des recommandations qui ont été adaptées au mois de mai de cette année sur l'intelligence artificielle. Et il s'agit des premières normes intergouvernementales dans ce domaine-là. Il y a d'autres instruments inclus. Par exemple, nous avons une recommandation sur la protection des enfants en ligne. Nous avons les lignes directrices de l'OCDE sur les données privées. Et il s'agit également de recommandations concernant le partage des données. Et tous ces instruments sont liés donc à ces 7 dimensions mentionnées ici et qui sont disponibles en ligne. Donc, s'il vous plaît, consultez-les, vérifiez également comment cet outil va évoluer. Merci beaucoup. Merci, parfait beaucoup. Et félicitations pour ce prix. Donc, je vais rebondir ici très brièvement et vous poser une question parce que vous avez parlé brièvement des principes de l'intelligence artificielle et vous avez réalisé quelque chose que personne n'a fait jusqu'à présent, à savoir un accord intergouvernemental sur des principes qui n'ont pas encore été adoptés partout. Et une partie importante de la déclaration du G20 reflète également votre succès parce que vous aviez parlé également de consultation et de négociation. Comment est-ce que cela a eu comme influence sur les principes de l'intelligence artificielle? Comment avez-vous réalisé ce processus de consultation? Le processus de consultation a été une initiative multipartite. Il y a eu de nombreuses discussions, des arguments pour définir de quoi l'on parle lorsqu'on parle d'intelligence artificielle et comment la mettre en œuvre de manière fiable. Et au bout du compte, les principes sont de principes de haut niveau, c'est un niveau suffisamment haut pour qu'il y ait un accord. Et le diable, bien entendu, est dans les détails. Et c'est là où nous nous trouvons à l'heure actuelle. J'ai des collègues, certains d'entre eux sont peut-être dans le public, qui travaillent sur des lignes directrices pratiques pour la mise en œuvre de ces principes. Et il s'agit d'un processus qui est en cours d'observation devant notre comité. Le résultat sera qu'il y aura un observatoire en ligne de l'intelligence artificielle qui va mettre en ligne au mois de février, dans lequel il y aura davantage de détails sur la mise en œuvre pratique. Et vous n'aurez bien entendu pas un modèle standard pour tous les pays. Et cela vous permet tout simplement d'avoir en fait des contours relativement larges. Merci. Et ça a été une réponse très détaillée pour une question que vous ne connaissiez pas à l'avance. Je vous en remercie. Donc, vous avez la parole à présent. Sophie.
Merci beaucoup. J'aimerais tout d'abord remercier les organisateurs pour nous avoir invités cet après-midi. Nous sommes ravis d'être parmi vous. Je m'appelle Sophie Paresson et je travaille pour la Chambre internationale du commerce et nous représentons 35 millions d'entreprises dans le monde entier, dans plus de 100 pays, avec 90 comités nationaux. Nous avons 100 ans cette année. Nous fêtons notre centenaire. J'espère que nous ne faisons pas notre âge et que nous travaillons sur de nombreux thèmes, le plaidoyer, la mise en place de normes. Et nous travaillons également de manière interdisciplinaire, multipartite. Et je me réjouis d'avoir l'occasion de vous en parler davantage. Depuis le début de l'EGF cette semaine, j'avoue que j'étais frappée par tout ce que j'ai pu entendre sur les 3,9 milliards de personnes qui ne sont pas en ligne également. Mais la question se pose également de toutes les personnes qui ne le sont pas. Et c'est un défi qui ne peut être relevé que, pas uniquement par les gouvernements. Et c'est là où le secteur privé doit travailler main dans la main avec les gouvernements, l'industrie technologique, mais également la société civile et les entreprises pour être en mesure de relever ce défi. Et c'est en ayant cela à l'esprit que j'aimerais vous faire part de notre vision, de ce que nous entendons par une approche multipartite. Nous sommes convaincus qu'une collaboration doit être engagée et soutenu dans l'ensemble d'un ensemble d'écosystèmes de TIC numériques, et ce, à tous les différents niveaux, au niveau sous-natural, mais également au niveau mondial. Et il est important d'avoir des politiques qui soient adaptées, ciblées également et souples, qui puissent s'adapter aux besoins des différents acteurs. Et cela nécessite, bien entendu, des efforts continus pour adopter, mettre en œuvre, mais également intégrer et suivre et améliorer également une approche multipartite dans la prise de décision politique, mais également d'avoir une considération globale des thèmes politiques lorsqu'ils sont liés à cette écosystème d'éthique, et ce, à tous les niveaux de prise de décision. Et en ce sens, nous travaillons avec ces trois mises en œuvre, intégrées et améliorées. Ce que nous entendons ici par la mise en œuvre, eh bien, il s'agit d'ouvrir les processus de prise de politique traditionnelle aux propositions de différents acteurs. Il s'agit de consultations politiques ou d'organisations de considérations sur l'ensemble du spectre politique. Car nous sommes convaincus que cela aidera de promouvoir les participations qui peuvent être complémentaires et précieuses de tous les différents acteurs qui peuvent être inclus dans cette prise de décision. Et il est essentiel qu'il y ait des partenariats et que nous partagions l'information avec les différents acteurs et les organisations, tant au niveau régional et international, pour relever les défis communs, réduire la complexité et éviter les doublons. Le deuxième E dont je vous parle, il s'agit d'intégrer. Et vous avez ce superbe graphique accrocheur à l'écran. Et donc, c'est un cercle vertueux que je vais vous présenter. Et je vais revenir à ce que nous entendons par là. Il a été conçu par la Chambre internationale du commerce sur l'économie numérique pour aider à avoir une approche multipartite et globale de la prise de décision politique. Et au centre, vous trouverez les infrastructures, les applications, les services et les couches d'engagement des utilisateurs qui représentent l'écosystème d'éthique. Et on voit ici comment les différentes fonctions sont conçues les unes au-dessus des autres pour fournir une valeur ajoutée aux différents utilisateurs. Et ces anneaux à différents niveaux représentent les différents thèmes politiques, que ce soit les aspects économiques, techniques, sociaux, culturels ou gouvernementaux, et qui sont promus grâce au développement d'éthique. Et bien entendu, il peut y avoir des recouvrements entre différentes couches, et il faut bien entendu l'expérience, l'expertise des différents acteurs pertinents, par exemple les entreprises, la société civile, la communauté technique, le gouvernement, donc vous tous ici présents, si nous souhaitons relever ces défis de manière efficace. Et l'autre cercle autour des politiques représente les différents acteurs et parties prenantes mentionnées, et enfin, ce qui nous rassemble nous tous, eh bien, les ODD. Ces couches se soutiennent bien entendu mutuellement et sont basées les unes pour les autres. C'est la raison pour laquelle il est très important qu'il y ait des correspondances et un soutien mutuel entre ces différentes couches et les différents acteurs. Et je vais faire référence ici à une publication que nous avons publiée il y a quelques années, si vous souhaitez avoir des informations complémentaires sur notre travail, à savoir
que c'est la déclaration de la Chambre internationale du commerce sur les technologies de l'information. Et si vous ne connaissez pas cette publication, je vous invite chaleureusement à la consulter. Et le dernier I dont je parle, c'est l'amélioration. Il s'agit d'améliorer ici parce que c'est une excellente chose d'avoir ce cadre et que tout le monde soit ravi de la mise en œuvre d'un tel cadre. Mais il faut bien entendu qu'il y ait une révision. Et pour rester efficace et responsable, les processus doivent continuellement être suivis et évalués. Pour améliorer la participation pluripartite, devrait inclure également, bien entendu, les réactions des différents acteurs, qu'il y ait une compréhension commune des différents problèmes et un véritable désir de collaborer sur les différentes thématiques et une ambiance de travail, bien entendu, de confiance entre les différents acteurs. Il n'y a, bien entendu, pas de solution standard pour résoudre les problèmes techniques. Bien entendu, il y a différentes thématiques, différentes difficultés qui nécessitent, bien entendu, des considérations multiples et diverses. Et vous demanderez certainement, vous avez ce superbe diagramme ici à l'écran et vous me parlez de la façon dont vous travaillez. Mais je souhaitais vous présenter plus concrètement une initiative que nous avons lancée récemment, à savoir que le secrétaire général l'avait lancée la journée zéro, donc ça paraît être il y a déjà longtemps, au sein de l'IGF, c'est-à-dire faire fonctionner la technologie pour tous. C'est une nouvelle initiative de notre pôle d'initiative et d'innovation au sein de l'ICC. Et nous avons donc ici cette approche globale. Et nous nous engageons, grâce à cette initiative, de travailler avec différents membres et différents partenaires pour garantir l'accès à l'Internet et aux technologies numériques fonctionnent à ces trois niveaux de l'écosystème numérique, à savoir l'infrastructure, l'application et compétences. Et nous souhaitons également travailler avec les responsables politiques. J'ai été frappée par le nombre de personnes où j'ai entendu parler de l'écart de connaissances parmi les responsables politiques et de les inclure et de combler ce fossé de connaissances et de les inclure de manière informelle également. Donc il s'agit également de créer des incitations à l'innovation et à l'investissement, mais de concevoir également un cadre qui permette la connectivité basée sur des règles de TIC qui devront être mises en place. Et une autre façon de mettre en place cette approche multiparite est également en mobilisant un réseau très large que nous avons par l'intermédiaire des chambres du commerce dont nous disposons. Cela représente au total donc 35 millions d'entreprises, 90 comités nationaux dans 100 pays. Nous sommes prêts à le faire dans l'autre domaine qui est à l'ordre du jour de la communauté internationale, à savoir le changement climatique. Et nous avons lancé une coalition au mois de septembre, juste avant l'Assemblée générale des Nations unies. Et il y a plus de 1200 chambres du commerce qui sont mobilisées. Donc je pense que nous pouvons être encore meilleurs dans cette communauté. Donc joignez-nous à vous, s'il vous plaît, dans cette aventure multipartite. Je vous remercie de votre attention. Thank you, Sophie. And congratulations on the centenary. Merci beaucoup et toutes mes félicitations à l'occasion de votre centième anniversaire. Vous avez mentionné les trois I. J'aimerais ajouter un quatrième I, à savoir l'intersection, en fait, donc la réunion en fait de ces éléments. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce qu'il est important? Est-ce qu'il est préférable d'agir plutôt à l'intérieur de ces quatre dimensions ou est-ce qu'il faut plutôt opter pour une approche globale? Je pense qu'on a besoin justement de cela parce que à défaut d'une approche multilatérale, nous risquons de déboucher sur des distorsions et il faut vraiment agir correctement dès le début. Il faut utiliser les bons outils et il faut également nous rendre compte. Le transparent qui a malheureusement disparu représente en quelque sorte le cadre qu'il faut néanmoins constamment adapter au nouveau contexte. Et il faut toujours vérifier et mettre à jour ces concepts pour trouver un meilleur chemin pour arriver à une solution. Merci. Donc, réévaluer les processus, ça c'est, je pense, une très bonne approche. Maintenant, je passe la parole à Sheetal. Merci. Merci, David. C'est merveilleux d'être ici auprès du IGF. Je pense que nous avons tous une compréhension commune de la valeur de cette approche multipartite. Je pense qu'il est très positif de pouvoir constater que
il existe un large consensus sur cette approche. Et je vous remercie de m'avoir invité à participer à ce panel et je tiens également à remercier les organisateurs. Notre organisateur, organisation Global Partners Digital, suit également l'approche multipartite. Nous avons élaboré un cadre. Nous coopérons avec les acteurs de ce processus. Nous nous basons sur les expériences qui ont été retenues. Et en fait, nous poursuivons trois principes. Il faut donc identifier les différents processus nécessaires. Et je vais entrer un petit peu dans le détail. Il faut tout d'abord adopter une approche ouverte et inclusive. Deuxièmement, on a besoin de se baser sur une approche basée sur le consensus, donc une approche consensuelle. Je vais peut-être entrer un petit peu plus dans le détail concernant ce deuxième volet avant de continuer. Donc, ce caractère ouvert et cette accessibilité, qu'est-ce que ça signifie concrètement? Donc, premièrement, les personnes intéressées, les parties intéressées doivent faire les interventions qu'ils souhaitent faire dans le temps voulu pour permettre à tout un chacun de participer activement au processus indépendamment des limites, des obstacles qui pourraient éventuellement exister, donc des barrières géographiques, autopoliques, quoi que ce soit. Donc, dans cette approche inclusive, il faut donner la possibilité à chaque individu, à chaque acteur de participer activement. Et puis, il faut se poser la question de savoir est-ce que les décisions sont vraiment basées sur des réflexions mûres. Deuxièmement, la transparence est essentielle dans ces processus de consultation pour aboutir à des résultats positifs. Un autre facteur qui est essentiel dans ce contexte, c'est d'être efficace, de rendre compte, de montrer qu'on est basé sur une approche consensuelle. Par ailleurs, il faut également réfléchir sur la sélection, sur le choix des participants. Donc, comment les identifier? Quels sont les acteurs pertinents? Eh bien, ce sont ceux qui expriment très clairement leurs intérêts, qui ont une certaine expertise, un certain savoir-faire. Et bien évidemment, il ne faut pas du tout être restrictif dans ce choix. Très souvent, on a l'impression que certains groupes de la société civile soient marginalisés ou catégorisés dans une certaine classe qui est associée à un certain sujet précis. Mais il y a tellement d'expertise, tellement de savoir-faire dans la société qu'il faut vraiment se baser là-dessus et recourir à ce savoir-faire. Qu'il s'agisse de la mise en place de communautés, qu'il s'agisse de la mise à disposition des connaissances. Donc, cette approche multipartite est essentielle. Puis, qu'en est-il des défis? Lors de la mise en place de cette approche multidisciplinaire, il faut toujours se baser sur le contexte. Dans le contexte de la cybersécurité, par exemple, on a très souvent l'impression qu'il s'agit d'un sujet qui est très à la sécurité et que c'est forcément juste un tout petit groupe spécialisé qui s'intéresse de ce sujet. Mais en revanche, ce sujet concerne l'ensemble de la communauté des utilisateurs. Donc là aussi, nous avons besoin de cette approche multipartite, même s'il est coûteux, même s'il prend un certain temps. Mais à long terme, il est essentiel de inclure le plus grand nombre d'acteurs possible pour justement minimiser et réduire les coûts. Donc, il faut faire ça dès le début pour recourir à un maximum d'informations, de savoir-faire. Par ailleurs, il y a très souvent un problème de confiance, un manque de confiance qui existe entre les différents acteurs. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour surmonter ces problèmes? Il faut également trouver un large consensus entre les différents acteurs participants. On ne peut pas se limiter au pur un
à répondre juste théoriquement à différentes questions, il faut vraiment avoir des institutions, des responsabilités qui sont les interlocuteurs appropriés pour pouvoir aborder toutes les questions d'actualité. Et un autre point très essentiel, c'est la continuité. Effectivement, il faut faire participer les différents intervenants dès le début et tout au long du processus. On ne peut pas se limiter à quelques étapes isolées du processus. Il faut les intégrer tout au long de la phase de réflexion et de la mise en œuvre. Donc, un surplus de transparence entraîne plus de confiance. La confiance est synonyme d'une amélioration de la coopération et le résultat final sera certainement mieux. Merci, Chital. Vous avez mentionné la transparence comme un élément central dans ce processus de réflexion. Moi, j'aimerais me concentrer sur la question de savoir comment faire en sorte que cette transparence est respectée au sein des processus de discussion et comment faire en sorte que cet élément soit également transmis dans les processus de décision politique. Ça, c'est effectivement une question clé dans ce processus. Je pense qu'il y a plusieurs possibilités pour y arriver. Je viens de mentionner certaines possibilités et à mon avis, il est essentiel de fixer des objectifs très clairs dès le début. Il faut répondre à la question de savoir quelles sont les parties intéressées, quels sont les objectifs surordonnés. Il faut assurer un échange d'informations souple. Ce sont des éléments centraux qui contribuent à la confiance. Sinon, il y a plusieurs outils qu'on peut utiliser pour arriver à un consensus de consultation efficace. Vous l'avez à juste titre, il n'y a plus d'excuses. Il y a tellement de plateformes qui permettent de diffuser et de rendre publiques les informations. Maintenant, je passe la parole à M. Choufouti. Vous êtes le seul politicien ici sur scène. Vous n'avez pas préparé un discours, c'est juste votre charisme qui vous permet de faire votre présentation. Je m'appelle Obanga Safari, je viens de la République démocratique du Congo. En fait, je n'avais pas prévu de participer à ce panel. Mais de toute façon, j'ai le grand plaisir d'intervenir dans ce panel, même si je n'ai pas de préparation. C'est une opportunité unique de prendre la parole ici au sein d'un tel forum éminent. Donc, quand on parle de la politique dans l'ère numérique, à l'époque, par le passé, on a très souvent eu l'impression que la politique ou que les responsables politiques agissent sans impliquer les personnes concernées. Aujourd'hui, à l'ère du numérique, la donne a complètement changé. Internet n'est plus quelque chose qui est à la seule disposition des gouvernements. Tout premièrement, l'Internet est le bien, est un bien public. C'est-à-dire, quand il s'agit de faire de la politique, il faut vraiment faire attention à toutes les voix qui sont exprimées. Et ce ne sont pas seulement quelques pays isolés, c'est l'humanité entière. La communauté des utilisateurs Internet est composée de milliers de différents groupes individuels. Avant d'arriver ici à ce panel, j'ai pris le déjeuner et après j'ai utilisé les toilettes et à la porte il y avait un tout petit dessin et je me suis dit cette personne qui vient de faire ce gribouillage là, mais comment est-ce qu'on peut faire un tel graffiti, comment est-ce qu'on peut
faire ça. Et là, j'ai constaté que je ne suis plus si jeune que ça, parce que quand j'étais jeune, je pouvais considérer les graffitis comme un œuvre d'art. Maintenant, quand je suis plus âgée, les graffitis, c'est quelque chose d'illicite pour moi. Donc, cela m'a montré qu'il y a une grande différence dans les pensées des jeunes et les personnes âgées. Bon, certains d'entre vous pensent éventuellement que je suis toujours jeune, mais je suis suffisamment âgée pour faire ces constats. Lors de la chute du mur, j'étais déjà au monde, j'ai suivi tous ces événements à la télévision. Donc, je ne suis plus si jeune que ça. Donc, une approche politique multidisciplinaire, qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, il faut intégrer l'ensemble des acteurs. Tous les groupes qui sont actifs sur Internet, les citoyennes et les citoyens, la société civile, les organisations, les associations de défense des droits des consommateurs, les utilisateurs souhaitent savoir comment arriver à plus de démocratie, plus de liberté et comment maintenir ce caractère libre d'Internet. Internet peut contribuer à des innovations. Internet permet d'instaurer, de mettre en place de nouvelles plateformes qui peuvent être utilisées par les entreprises. Tous ces acteurs-là façonnent en quelque sorte Internet. Après, on a également besoin des idées de ceux qui pensent que l'Internet ne devrait pas être une priorité. Dans mon pays natal, la République démocratique du Congo, il y a certainement des priorités tout à fait différentes. Une des priorités, c'est par exemple la paix. On a vécu de longues années de guerre civile et quand je m'adresse à mes concitoyens, il faut parler et discuter de la gouvernance d'Internet. Ils vont me répondre, écoute, là, on est en train de négocier sur la paix et tu parles d'Internet. Mais je pense quand même qu'il faut faire participer ces gens-là à ce processus de réflexion, parce qu'à un certain moment, Internet va également avoir une influence sur leur vie. Alors, c'est la raison pour laquelle il faut également inclure ces personnes, ces groupes de la société civile, donc tous ceux qui ne font pas d'Internet une priorité, parce que eux, ils sont également concernés par Internet. Et le moment arrivera. Comment faire en sorte que les intérêts des générations futures, donc sous ceux qui ne sont pas encore nés, soient respectés et défendus, ou les intérêts de tous ceux qui ne sont pas représentés à ce forum du Soudan, par exemple, les personnes réfugiées. Les représentants de la Croix-Rouge, par exemple, les associations de défense des réfugiés, qu'est-ce qu'ils pensent, eux, de la blockchain, de l'identité numérique, etc. Toutes ces questions, tous ces sujets concernent également la vie de ces personnes que je viens de citer. C'est la raison pour laquelle on devrait être très ouvert pour leur voix, pour leurs idées. Et c'est ce qu'est la priorité que je vais vous faire part. Je vous remercie de votre attention. Merci, Safari. On évoque des questions multidisciplinaires, mais vous avez souligné un élément important, les jeunes. Vous êtes jeunes, vous évoquez les jeunes, c'est formidable. De Goma à Kinshasa, il faut 3 heures de vol. Nous avons beaucoup de parlementaires qui doivent prendre des vols au long cours pour légiférer dans leur communauté. Alors, comment faire entendre la voix des jeunes dans vos conversations au sein de la capitale, notamment sur l'identité numérique, etc., et autres politiques qui les touchent? Alors, comment intégrez-vous les pensées des jeunes? Nous avons dans notre pays
la question suivante. Après les élections, nous trouvons que nous sommes un peu déconnectés de nos électeurs. Ils nous ont élus, certes, mais ensuite, on a du mal à rester en contact avec eux. Ils ne connaissent pas vraiment bien le travail que nous faisons. Et ce, en partie, en raison des distances. Effectivement, 3 heures de Kinshasa à Goma, on s'y rend que 2 fois par an. Et il est donc très difficile de se procurer des échos. Au moins, nous avons maintenant un bon outil, Internet, qui nous permet de réduire les distances. Donc, cela nous permet de rester en contact et ça permet aux uns et aux autres d'avoir au moins accès à l'information. Prenons WhatsApp, c'est un outil extrêmement utile pour permettre aux gens de rester en contact et de s'échanger sur leur vie. Et notamment dans des coins reculés, nous avons été surpris, nous avons battu campagne et nous étions dans une région assez reculée où il y avait une guerre civile. Mais on a constaté qu'il y avait des échanges, par exemple, sur Facebook. Et je pense que ces outils Internet sont très utiles et peuvent vraiment nous aider à faire en sorte que la démocratie atteigne les villages et à surmonter nos blocages d'infrastructures sur les transports également. Il est donc utile d'utiliser ces outils. Mais il faut approcher cela au cas par cas. Donc, il faut vraiment que tous utilisent cet outil au maximum. Aussi, pour rester en contact avec les électeurs, afin qu'au bout de 5 ans de mandat, on parle encore en connaissance de cause. Et cela aide à la démocratie. Parfois, sont élus des personnes qui ne sont pas très démocratiques. Mais bon. Nous avons nos élections et au bout de 5 ans, nous constatons qu'une bonne partie des gens au sein des assemblées sont renouvelés. En effet, les électeurs disent, eh bien, nous, on vote pour les gens qui ont vraiment fait bouger les choses pour nous. On va voter pour quelqu'un et ensuite ne faire aucun suivi par rapport aux travaux que ces élus sont censés faire pour vous, c'est dommage. Voilà pourquoi Internet est la clé et va nous permettre de mieux faire vivre la démocratie. Voilà un excellent exemple d'un bon impact d'Internet, notamment sur la démocratie dans le monde. Voilà. Nous passons aux questions et réponses pour 10 minutes. Je peux accepter 10 question de la salle. 1, 2, les deux premiers par là et 3 ici. Alors, à gauche, monsieur, s'il vous plaît. Veuillez vous présenter, s'il vous plaît. Je suis Damien Tambine de la London School of Economics, invité par le gouvernement du Royaume-Uni, mais je parle pour moi, personnellement. Est-ce que je pourrais faire une proposition au panel? Nous entrons dans une nouvelle phase de l'approche multipartite et beaucoup pensent, comme le président l'a proposé, qu'on peut se limiter donc à un certain nombre de partis. C'était une des propositions qui a été faite, mais cela ne tient plus debout aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, tout le monde est en fait une partie prenante. Et cela, en fait, est très profond. Il faut en tenir compte. Qu'est-ce qui a changé? Les préoccupations concernant la démocratie sont existentielles. L'intox, la désinformation changent profondément le jeu. Donc, on a aussi des lois intox, des problèmes de reddition des comptes, etc. Deuxièmement, la sécurité
nationale. Les questions de désinformation ne concernent pas que le domaine national, mais aussi la souveraineté et des ingérences extérieures, en fait, par rapport à la démocratie. Alors, avec des solutions politiques plus larges qui sont débattues, est-ce que cette nouvelle forme de l'approche multipartite pourrait être pertinente? Puisqu'il y a de nouvelles solutions politiques sur la table, sera-t-il possible de rendre ces solutions légitimes? Avec un contrôle de la parole, un contrôle des process de formation des opinions et aussi le contrôle des plateformes sur la parole. Merci beaucoup. Encore deux questions et ensuite je renvoie la balle au panel pour des réponses. Merci beaucoup. Monsieur à gauche. Merci Steve Pendianko, NetChoice. Alors, des panélistes se sont-ils intéressés à la mesure? Comment est-ce qu'on mesure que les solutions que vous retenez sont efficaces? Si vous allez au Congo pour mettre en œuvre une approche multidisciplinaire, transparente, basée sur les jeunes, dans toolkit, etc. Alors, comment est-ce qu'on sait si c'est vraiment efficace pour changer la vie des uns et des autres? Est-ce que cela permet vraiment la libre expression? Le libre commerce, est-ce que ça sera utile pour la chaîne logistique, les produits et services? Comment est-ce que vous mesurez l'efficacité de vos travaux? Merci beaucoup. C'est une question très pertinente. Monsieur, à l'arrière, là. Encore une question après, mais soyez bref, s'il vous plaît. Arsène Tangali de la DRC. Et je fais partie du MAG. Je voudrais rebondir sur ce que disait M. Safari par rapport à la complexité des contextes dans lesquels les pays opèrent. Je travaille en faveur d'un accès libre aux TIC. Et lorsque nous parlons aux parlementaires, etc., eh bien, savez-vous, je vis à Goma, c'est loin de Kinshasa. Et pendant notre travail de lobbying, nous tentons en fait de faire une contribution au processus politique. C'est difficile parce qu'il faut voyager. Voilà, il faut 3 heures en avion pour se rendre à Kinshasa. L'utilité de l'Internet est considérable puisque cela évite de voyager à Kinshasa pour apporter une contribution au processus. Maintenant, est-ce que les députés utilisent Internet? Sans doute. Donc, on pourrait leur envoyer des emails, mais tous les députés n'utilisent pas justement leur email. Donc, parfois, il est difficile d'arriver jusqu'à eux avec ces contributions. C'est bien l'ère numérique. C'est un outil très important et tout le monde devrait utiliser les technologies pour qu'on puisse rester en contact avec les autres, notamment en ce qui concerne les parlementaires. C'est très important pour les parlementaires de rester en contact avec les gens du terrain. Merci beaucoup. Oui, remarque très intelligente. Monsieur, s'il vous plaît. Monsieur David Alexandre Pisanti du Mexique, ancien membre du groupe de travail sur la gouvernance d'Internet. Deux choses. Je ne pense pas que ce terme de multi-stakeholderism, multipartite, soit bien choisi. Je pense que c'est plutôt une gouvernance multipartite, en fait, qui devrait s'imposer. Vous avez l'environnement, le sport, la finance, autant de domaines impactés. L'ICC, nous l'avons entendu tout à l'heure, c'est un élément pratique, certes. Donner forme aux mécanismes dont on a besoin
pour chaque cas. Parfois, il faut des structures complexes avec des mécanismes qui permettent de revenir sur des mauvais choix, etc. Pour un IGF, on a besoin d'un forum ouvert, des règles plus ouvertes. Ce qu'on essaye d'imposer, de construire, en fait, ce n'est plus tellement l'Internet en tant que tel, mais un contact fait par des personnes ou leurs agents, des gouvernements, etc., par rapport au logiciel. Et il est très difficile, en fait, d'avoir une approche équilibrée par rapport à ça. Il y a en plus l'intox, évidemment, nous l'avons entendu. Nous avons eu en 96 déjà une telle ligne dans un livre. Alors, comment Internet modifie-t-il les choses? Je crois qu'il faut opérer un distinguo. OK, so we have about 10 minutes remaining. Bien, il nous reste 10 minutes, 2 minutes chaque panéliste pour rebondir. On nous a parlé d'une nouvelle forme d'approche multipartite pour rendre le processus plus légitime. Les questions par rapport à la mesure du progrès. Nous avons évoqué la reddition des comptes des députés, notamment, et la transparence et comment garantir que cette transparence soit primordiale. Je commencerai par vous, s'il vous plaît. Merci beaucoup pour ces questions. Sommes-nous dans une nouvelle ère de gouvernance multipartite? Je l'ignore. Est-ce une nouvelle ère ou est-ce que ce sont de nouveaux outils? J'ai vu des expériences utilisant Facebook pour tenter d'avoir un apport direct des citoyens sur une nouvelle loi durant plusieurs mois, en proposant ceci, ce qui aurait l'impact suivant. Est-ce que vous en êtes d'accord? Donc, c'était une méthodologie intéressante pour associer les gens au processus. Bon, il y a un projet très compliqué, il y a une vingtaine de comités qui participent, 36 pays qui ne sont pas toujours sur la même longueur d'onde. Donc, il faut vraiment tenir compte de tous les états d'âme. Plus les choses sont difficiles, plus j'espère que l'analyse sera riche. La mesure, c'est pour moi une priorité. La boîte à outils numérique est vraiment importante. Nous avons travaillé avec des agences de statistiques pour établir des indicateurs clés par rapport au cadre que je mentionnais, pour illustrer où se trouvent, à quel niveau se trouvent les différents pays et de développer des réponses. Maintenant, vous évoquez l'impact. C'est beaucoup plus difficile à mesurer. Nous y travaillerons au sein de l'OCDE. Nous utilisons des micro-données en ce moment pour songer à l'avenir des technologies numériques et leur impact. C'est très difficile de comparer des micro-données entre pays, mais nous y travaillons. Et nous avons notre feuille de route « Going Digital », se lancer dans l'ère numérique. C'est ce livre que j'ai apporté. Et nous souhaitons garantir que tous les pays, les organisations internationales, etc., unissent leurs forces pour aller dans le même sens. Si on ne sait pas où on en est, si on ne connaît pas les impacts potentiels, comment alors développer une réponse politique adéquate? Merci. De nouveaux outils à mettre en œuvre. Effectivement, c'est très important. Bien. Molly vient de le dire, c'est important. Est-ce que nous entrons dans une nouvelle ère? Moi, je travaille avec un diagramme qui n'est pas une camisole, c'est juste un point de départ. Donc, c'est ce que nous mettons sur la table pour lancer un débat. Chaque initiative que nous prenons doit être remise en question. La liste n'était pas exhaustive. Mais c'est très utile pour nous dans notre travail. Encore une fois, je ne pense pas que notre approche soit rigide. Et il est parfois très utile d'avoir cela pour titiller nos interlocuteurs
Et je n'ai pas pu, par manque de temps, évoquer nos engagements par rapport à la reddition des comptes et à l'inclusion. C'est au cœur de notre travail au sein de l'ICC et nous continuons dans ce sens parce que sinon, demain, nous tomberions dans l'oubli. Pour la mesure, j'en suis d'accord. On peut évidemment avancer, il nous faut justifier ce que nous faisons et pour y parvenir, il faut tout d'abord mesurer. Nous recherchons des initiatives durables et pour ce faire, la mesure constitue la base si nous souhaitons continuer d'aider les parties prenantes. Merci beaucoup. Chitin. Alors, l'approche multipartite. Cette approche donc multipartite ou multidisciplinaire soit en train de changer. C'est la complexité des questions qui change, certes. Et ce qui ne devrait pas changer, ne doit pas changer, c'est le besoin de respecter l'ouverture et la nécessité de l'inclusion et de la transparence. Comment y parvenir? Il y aura des moyens techniques, il y en aura d'autres qui feront simplement des choses un peu moins techniques. Il y a des choses qui doivent être réalisées. Je pense qu'il y a quelques défis plus simples et d'autres qui requièrent une réponse multipartite et des réponses techniques sophistiquées. Qui est une partie prenante pertinente? Aujourd'hui, dans l'ère numérique, tout le monde est une partie prenante importante. L'impact concerne tout le monde. Même si vous n'êtes pas connecté à Internet, vous subissez les choix faits par le gouvernement en la matière. C'est un peu comme un puzzle avec les différentes pièces éparpillées un petit peu partout. Et il est vraiment essentiel de relever ce défi, tout en gardant en tête le besoin de soutenir cette approche fort des principes que j'évoquais. Sur le besoin de monitoring, d'évaluation, oui, effectivement, c'est essentiel. Il faut donc inclure toutes les parties prenantes dès le départ, aussi dans le processus d'évaluation et de surveillance. Il faut développer des solutions sur les défis à l'approche multipartite. C'est essentiel. Pas seulement parce que nous avons besoin des solutions politiques pour réfléchir à la perspective des uns et des autres, mais aussi parce que les gens qui participent vont construire les résultats. Et il est essentiel que cette réflexion soit menée et que vraiment les valeurs de tout le monde soient prises en compte. Merci. Safari, pour conclure sur ce premier tour. Je rebondis sur la dernière intervention. Comment faire en sorte que les projets soient vraiment mis en œuvre? Nous pensons que les choses sont mises en œuvre. Est-ce que c'est vrai? Puisque finalement, il incombe à la responsabilité du gouvernement que de mettre en œuvre ces projets. Nous avons trouvé que ceux qui contribuent beaucoup de la part de la société civile sont primordiaux. Une fois que les gens sont engagés dans la société civile, il y a beaucoup d'engagement, d'inspiration, d'action pour que les choses se passent. Et il faut voir aussi le côté commercial. S'il y a de l'argent, on peut réaliser les choses. Mais ce n'est pas soit la société civile, soit le monde commercial qui va mettre en œuvre les politiques. Non, ce sont les gouvernements, les élus qui sont les acteurs. Et les gouvernements ont évidemment beaucoup de priorités. On ne peut pas seulement se concentrer là-dessus. Voilà pourquoi le suivi est impératif, suivi qui doit se faire
par ceux qui sont capables de le faire. Il faudrait aussi songer donc à un suivi par rapport aux politiques qui ont été dessinées. Je ne sais pas si vous vous souvenez des Smart Objectives, donc des objectifs intelligents, mesurables, atteignables, réalistes. Il faut que les objectifs soient clairs. Et sur le terrain, il nous faut des gens qui font partie de la grande équipe qui sont chargés du suivi. Et un an plus tard, deux heures plus tard, lorsqu'on réalise que l'heure tourne et que l'action n'est pas à la hauteur, c'est là justement que les représentants de la société civile sont importants parce qu'ils sont passionnés et donc ils vont aller jusqu'au bout. Bien, nous avions des questions sur la légitimité, comment mesurer le progrès, la reddition des comptes des élus et la transparence des process. Et nos panélistes ont apporté des réponses brillantes. Il nous faut utiliser de nouveaux outils, adresser des questions complexes, travailler avec les parties prenantes, faire en sorte qu'ils soient responsables et passionnés. Je vous propose d'applaudir les panélistes. Okay, so the panelists will stay here. We're going to move now to part two, and I'll ask our stage colleagues to help us out there in bringing out the chairs. Bon, nous passons à la deuxième partie. Et je demande aux panélistes de bien vouloir venir nous rejoindre. Specific examples around how... Donc, nous allons nous pencher à présent sur le succès d'une politique multiparitite. Et nous allons nous pencher sur d'autres exemples et j'espère que vous allez m'aider à accueillir les quatre membres du panel. Kenneth Adou Amafo, Olaf Kochmann, Lisa Daya et Zoé Darmé. Manifestement, un des membres du panel arrive avec sa propre chaise. J'aime beaucoup. Merci à vous tous d'être parmi nous. Donc, pour vous donner quelque peu les contextes des différentes personnes, Kenneth est directeur exécutif de l'Organisation sur la cybersécurité africaine et des droits numériques. Il a travaillé en fait à la développement de la politique numérique du Ghana, donc c'est un conseiller au niveau politique. C'est également un expert sur la fermeture des réseaux par les gouvernements. Et nous avons également parmi nous Olaf Kochmann. Olaf Kochmann est le responsable en chef de la technologie de l'Internet auprès de l'ISOC. Il a une longue expérience au sein de nombreuses informations concernant les intersections qu'il peut y avoir entre les différentes technologies de l'Internet. Il a contribué au DNCCSS, donc nous allons revenir sur cet acronyme. Et nous avons enfin Zoé Darmé, qui a une approche multidisciplinaire, mais également dans les différentes politiques de développement d'une politique pluridisciplinaire dans le domaine de l'intelligence artificielle. Donc, cela va rester notre team également. Et on va parler également de partenariat dans l'intelligence artificielle, mais on va également eu l'occasion, madame, de travailler donc pour l'aviation américaine. Et nous avons encore Zoé Darmé, qui est la manager donc la gouvernance auprès de Facebook. Et au préalable, elle était une de mes collègues auprès des Nations Unies dans les affaires de matière de la paix. Et au préalable, elle travaillait auprès du ministère de la Justice. Au cours de cette deuxième partie, nous allons nous pencher sur la pratique et sur les exemples. Et je vais commencer par Kenneth. Kenneth, est-ce que vous pourriez nous présenter la perspective de l'ACDRO? Je vous en prie, vous avez la parole. Comme bon vous semble, vous pouvez lire assis si vous le souhaitez. Le micro est-il branché?
Merci, David. Merci de m'accueillir et je vous souhaite bon après-midi à vous tous. Après toutes les présentations qui ont été faites par le panel précédent, il paraît évident qu'il y a eu un fort changement dans la façon dont nous faisons les politiques. Nous sommes passés d'une phase où nous faisions une politique pour à une phase où nous faisons une politique avec. À présent, il faut que, lorsqu'il s'agit de la gouvernance de gouvernance, c'est bien de faire en sorte que, comme Internet est pour nous tous, il est important que toutes les parties prenantes y participent. J'ai eu l'occasion de participer au développement de politiques dans le domaine de la cybersécurité, mais également dans le domaine de l'IGF national. Et donc, je vais vous donner ma perspective et mon expérience. Il me semble que le fait d'avoir une approche pluridisciplinaire et multipartite, eh bien, la première étape que nous devons faire, c'est de définir les problèmes politiques. Et de définir un problème politique au niveau de toutes les parties prenantes, à savoir de comprendre, en fait, le point de vue de toutes les parties prenantes. Parce que la jeunesse doit comprendre, bien entendu, également quel est le problème. Pas forcément à haut niveau. Il faut définir, en fait, les problèmes clés que les politiques tentent de résoudre. Deuxièmement, nous devons définir un groupe de parties prenantes. Un groupe de parties prenantes, car nous avons différents acteurs, mais il faut bien entendu définir les groupes. Car nous tous, tous les individus, individuellement, ne pouvons pas participer à l'équipe de développement des politiques. C'est la raison pour laquelle il faut définir des groupes. Par exemple, la communauté des entreprises, des affaires, nous avons également la communauté technique, nous avons le gouvernement, la société civile. Donc, c'est la raison pour laquelle il faut définir ces différents groupes, et ce, sur la place du problème, de la thématique, et de savoir quel est l'objectif de cette politique. Donc, nous parlons d'avoir donc les parties prenantes pertinentes, et l'objectif est d'avoir une représentation de tous les groupes concernés. Mais s'il est question d'un spectre, par exemple, du spectre, eh bien comment ou à quoi cela servirait d'avoir une personne qui n'y connaît absolument rien en spectre et quelle pourrait être la contribution de cette personne? Donc il s'agit véritablement de sélectionner les groupes de parties prenantes, c'est essentiel. Une fois que vous avez sélectionné le groupe, il était vraiment important de sélectionner un représentant de chacun de ces groupes de parties prenantes. Car souvent, nous disons, bien, il y a la société civile qui fait partie de ce groupe de parties prenantes, mais la question est de savoir qui va représenter la société civile. Et il faut, bien entendu, qu'elle ait une contribution pertinente. Il est important que nous ayons les personnes qui aient des connaissances de l'ensemble du groupe de parties prenantes. Et de l'expérience, nous avons réalisé que si vous n'avez pas un groupe d'acteurs clairement définis, il est difficile de retrouver un représentant. Par exemple, si vous avez quelqu'un qui vient du milieu des affaires, qui peut devenir un membre du groupe, eh bien, il ne peut participer à la prise de décision et sortir sans ensuite communiquer aux autres membres. Donc, en fait, il fait partie du processus. Il conçoit, il met en œuvre, il contrôle, il fait l'évaluation. Mais aucun des autres membres au sein de la société civile ou des groupes des affaires ou du groupe dont il vient n'est informé de ce qu'il fait. Donc, au bout du compte, nous disons, ben bien, très bien, nous avons une approche pluridisciplinaire ou multipartite, hein, mais vous avez en fait seulement une institution ou un groupe. Donc là, ça peut être également un problématique, le problème de la représentativité. Et un autre défi pour identifier ces groupes d'acteurs, c'est le manque d'expertise. Vous réalisez qu'ils n'ont pas l'expertise nécessaire et il n'y a pas cette conscience. Donc, ce que nous tentons de faire dans les politiques que nous avons développées, c'est d'essayer de développer des capacités et de sensibiliser. Par exemple, si vous souhaitez avoir une organisation de la société civile qui souhaite participer à l'élaborisation d'une politique de gouvernance, eh bien, dans ces cas-là, il faut mettre en place des ateliers, il faut sensibiliser et donner envie également à ces personnes de participer. Vous souhaitez me freiner, manifestement?
Oui, non, parce que j'aimerais reprendre un point que vous venez de mentionner, à savoir que cette semaine, nous avons beaucoup parlé de briser les différents silos. Mais vous venez d'expliquer, c'est que les silos sont très plastiques parce que c'est là où vous avez en fait le stockage des expertises. Et lorsque vous allez dans ces différents silos, il est important dans ce silo de trouver bien entendu l'expert. Mais il est important d'avoir des silos qui sont en mesure de mettre en place des réseaux. Et il est important qu'il y ait des réseaux dans les silos, mais également entre les silos. Donc la première question que j'aimerais vous poser, c'est comment est-ce que vous définissez le problème? Comment décidez-vous de définir un problème lorsque les définitions sont différentes entre les différentes parties prenantes? Comment résoudre ce problème de manière pluridisciplinaire? Eh bien, l'une des manières efficaces de définir un problème, c'est d'organiser une consultation publique telle que celle-ci. Par exemple, si vous prenez l'Internet ou la gouvernance de l'Internet, presque tout le monde, même la personne la plus illettrée dans les zones rurales, comme quelqu'un l'avait dit, vous avez parlé de quelqu'un qui est sur Facebook dans un village, bon, Internet est pour nous tous. Donc il faut faire participer tout le monde dans le cadre d'un forum de consultation publique. Et ensuite, vous pouvez faire la synthèse des idées, ce qui vous permettrait d'avoir une définition claire d'une thématique. Et c'est ce qu'on a dit, à savoir d'utiliser de nouveaux outils pour résoudre de nouveaux problèmes. À présent, je passe à Olaf Koppmann de ISOC. Un exemple concret. C'est ce dont je souhaiterais vous faire part. Je suis un petit peu surpris, car cette semaine, j'ai beaucoup entendu parler de l'intelligence artificielle. Et il y a quelques années, ou l'année dernière, c'était l'Internet des objets. C'était vraiment ce dont tout le monde parlait. Et la sécurité de l'Internet des objets est un thème très complexe, un thème dans lequel il faut une harmonisation transfrontalière, mais cela reste encore un espace dans lequel on ne sait pas véritablement comment aborder ces différents problèmes dans le cadre des législations nationales. Quand je pense aux différents processus qui sont généralement effectifs, je pense généralement à des processus de bas en haut. Et vous avez cette plateforme multipartite sur la sécurité de l'Internet des objets. Et c'est un événement qui abordait d'ailleurs toutes les qualités que vous aviez mentionnées. Cette initiative a été prise par 6 différentes organisations, à savoir le ministère canadien de l'innovation scientifique et économique, la Société de l'Internet, Nordconnexation, CPAC, CIRA, qui est également un niveau ou un registre des différents domaines de haut niveau, ainsi qu'un réseau académique au Canada. Et la question qui avait été posée, c'était de savoir quelles pourraient être les recommandations que l'on pourrait donner à l'industrie et aux autres parties prenantes qui sont responsables de la mise en œuvre de la sécurité de l'Internet des objets et de savoir quelles pourraient être les recommandations que nous pourrions donner, que pourrions-nous faire nous-mêmes pour réaliser la chose. Ce qui a été réalisé, c'est que nous avons mis en place un processus par ces différentes entités qui étaient ouverts et inclusifs. Il s'agissait d'un ensemble de 20 ateliers, réunions donc physiques, sur l'ensemble du territoire canadien, car le Canada est un pays immense, est-ouest, avec deux langues, anglophones, francophones. Donc cela a été conçu vraiment avec beaucoup d'attention pour prendre en compte ces différents aspects. Donc, on a mis en place des listes de diffusion et autres. Donc, différents instruments ont été utilisés. Il y a eu un suivi du travail sur un site qui s'appelait donc le site sur la sécurité de l'Internet des objets de 2018.canada. Et vous pouviez donc consulter les différentes réunions. Et la première chose, c'est que la communauté s'est réunie au sein d'un atelier pour discuter entre eux des règles d'engagement.
des choses simples, comme ne lisons pas non mais oui et. Et en fait, le groupe a fait son contrat avec lui-même et conformément à ce contrat, le travail a été réalisé. Il y a eu un certain nombre de leçons et un long rapport de 44 pages qui a été rédigé avec des recommandations des différents groupes concernés, les consommateurs, les autorités, mais également les techniciens. Et il y a eu un suivi, bien entendu, de ce travail dans les différents groupes d'acteurs. Et je vois que vous êtes déjà un petit peu impatient, donc je vais peut-être en rester là. Non, parce que vous avez parlé d'un excellent point également. Je pense que dans l'espace de l'élaboration de politiques multipartites, vous avez parlé d'approche de bas en haut, vous avez parlé d'une approche multipartite, pluridisciplinaire, mais comment assurer que ces grands processus sur des grandes distances géographique remonte jusqu'aux décideurs, car souvent on a l'impression que de nombreuses idées sont générées mais qu'elles ne remontent pas. Dans ce cas-là, c'était le ministère canadien qui avait l'égide du processus, mais les choses ne se font pas de manière isolée. Bien entendu, vous pouvez avoir le même processus qui se fait en France, au Sénégal, aux Pays-Bas. Il y a eu ces consultations publiques qui ont été réalisées sur l'Internet des objets. Et ce n'est pas une coïncidence qu'il y ait à présent une plateforme pour ces différents pays où il y a un échange d'expériences qui se fait entre ces différents pays. Et c'est la même chose que ce que nous faisons ici, à savoir que nous nous réunissons avec nos idées. Nous sommes des entrepreneurs de normes et ça, c'est la façon dont nous fonctionnons et dont le réseau se crée et qu'il y a une émulation d'idées. Donc, en fait, il s'agit de structurer la prise de décision et il s'agit ici donc d'une intégration croissante des différents acteurs dans l'ensemble du processus. Merci, Olaf. Et maintenant, je vais passer la parole à Lisa. Merci beaucoup. Le partenariat sur l'intelligence artificielle regroupe 100 partenaires, dont 60 qui sont des organisateurs à but non lucratif. Parmi les autres partenaires, il y a aussi Facebook et d'autres institutions de recherche. Notre travail se base notamment sur une approche multipartite et nous essayons de trouver des réponses aux toutes les sortes de questions qui surgissent dans ce contexte. Et il y a toujours un grand nombre de technologies qui sont toujours en phase de recherche et d'études. Et il y a également des technologies qui ont été commercialisées trop rapidement. Donc, nous essayons de nous pencher de cette intelligence artificielle dans toutes les stades différentes pensables. Nous travaillons, par exemple, sur un projet de publication de normes de responsabilité. Et dans ce contexte, nous sommes focalisons sur les recherches ouvertes. Mais nous sommes vraiment préoccupés par la quantité de travail qui reste à faire dans le contexte de l'intelligence artificielle. Nous parlons également des fausses informations et des médias qui sont essentiels pour renforcer la démocratie. Et il y a plusieurs acteurs qui sont fortement impliqués dans ce processus. Et nous parlons également de sujets qui sont qui suscitent des vifs débats politiques, comme par exemple les technologies de reconnaissance faciale. Donc, dans ce contexte, nous devons être très prudents dans le choix des acteurs dans cette approche multipartite. Comment instaurer la confiance? Comment inciter les parties prenantes de participer à ce processus? Comment tirer les leçons des erreurs qui ont été commises? Comment faire
comment faire expliquer aux décideurs pourquoi ils ont pris telle ou telle décision. Il y a eu énormément d'efforts dans le contexte de l'intelligence artificielle, notamment dans le contexte de recherche et au niveau des gouvernements. Et maintenant, nous souhaitons nous concentrer sur un aspect tout à fait nouveau, à savoir la mise en œuvre, l'application concrète. Il y a pléthore de rapports qui sont rédigés, mais qui disparaissent quelque part dans les tiroirs. Et maintenant, il s'agit vraiment de réfléchir sur une application, mise en œuvre concrète des résultats. Nous nous adressons donc aux responsables politiques. Nous essayons vraiment de nous faire comprendre, d'expliquer les choses. Merci beaucoup. Un grand nombre des organisations des Nations Unies sont membres de votre partenariat. C'est vraiment une excellente initiative. Je voudrais revenir à votre premier point. Vous travaillez donc pour réunir les parties prenantes avec des différentes très différentes. Il y a des acteurs de l'industrie, de la société civile. Comment y arriver? Comment réunissez-vous ces acteurs multiples? Comment est-ce que vous le faites concrètement pour instaurer la confiance justement entre cette multitude d'acteurs? C'est une très bonne question. Ce qui a très bien marché, c'est l'établissement de règles très claires, la définition de règles, donc des règles de Chatham House un peu modifiées par exemple, ou bien le recours à des solutions consensuelles, donc nous essayons de jouer un rôle de médiateur. Il faut toujours essayer de faire avancer les choses et non pas s'opposer les uns contre les autres. Très souvent, il s'agit aussi du contexte dans lequel se passent ces choses. La semaine dernière, par exemple, nous nous sommes retrouvés dans une très belle salle où il y avait une table au milieu. Donc, tout le monde pouvait se mettre autour de cette table qui permettait à tout un chacun de regarder les autres. Donc, ça a vraiment facilité l'échange et le dialogue. Ça, c'est une approche très, très simple. C'est un facteur très simple, mais c'est très efficace. Je voulais faire un commentaire. Supplémentaire, David, vous disiez à quel point le facteur temporel est important. Vous avez donc mentionné la rapidité des évolutions. Et ça, c'est quelque chose qui est essentiel. On a besoin de temps. Les parties prenantes doivent pouvoir réfléchir sur leurs travaux. Donc, effectivement, cela nécessite du temps. Donc, comment rallier cette rapidité des processus et le besoin de temps qu'on a pour travailler sur les différentes approches et les projets. C'est une question que j'aimerais renvoyer à notre animateur. Il est beaucoup plus facile de poser des questions que de donner des réponses. Je pense qu'un facteur essentiel, c'est d'être humble. Les diplomates et les experts qui sont réunis autour d'une table, qui font des négociations, tous ces anciens diplomates étaient réunis autour d'une table, n'étaient pas des experts techniques. Ils se sont tout simplement basés sur les connaissances des experts et puis après, ils sont retournés à la table. Ils étaient très humbles. Ils ont tout simplement négocié paisiblement. Et aujourd'hui, il y a toutes sortes d'experts qui ne sont pas forcément au courant des détails des sujets. Donc là, je pense qu'on peut effectivement se baser sur l'expérience de nos prédécesseurs, des anciennes générations. Donc cette approche humble, c'est à mon avis quelque chose d'essentiel. Merci beaucoup. Zoé, vous avez la parole. Merci. Je voudrais répondre à votre question. Je pense que je ne vais même pas me servir de mes notes. Vous avez mentionné l'ère de la diplomatie.
la diplomatie de Bretton Woods, par exemple. Mais à l'époque, c'était uniquement les représentants de la race blanche. Et aujourd'hui, nous avons quand même un mélange beaucoup plus vaste, beaucoup plus intéressant. Moi, je travaille dans le conseil d'administration de Facebook. Qui est-ce d'entre vous qui en a déjà entendu parler, hein? Veuillez lever votre main. Je voudrais encore une fois vous expliquer quelles sont les bases du travail de ce conseil d'administration de surveillance. Tout d'abord, il s'agit de justifier nos décisions que nous prenons dans le contexte des contenus. Donc, ce n'est pas moi-même, ce n'est pas Mark Zuckerberg. Personne ne peut influencer les décisions qui sont prises par le conseil d'administration. Et sinon, nous avons... Cette institution a la mission de formuler des recommandations, de se baser sur ces recommandations. Lorsqu'il s'agit de faire des modifications, des adaptations nécessaires de l'approche politique ou quoi que ce soit. Donc, ce sont des mesures qui ont une influence, un impact direct sur des milliers de millions de personnes. Donc, ça, c'est la mission centrale de ce conseil de surveillance. Et comment est-ce que nous sommes y arrivés? Nous avons mis un certain temps pour y arriver à ce stade. Je reconnais pas mal de personnes que je connais ici dans cette salle, que je connais depuis cette phase de consultation et de réflexion. Très souvent, on m'aborde en disant « Tu as travaillé auprès des Nations Unies, également dans le domaine service de conseil. Est-ce que tu pourrais éventuellement... prendre en charge notre processus de consultation. Oui, effectivement, j'ai beaucoup travaillé dans ce contexte. Et ce qu'on fait très souvent dans le contexte des Nations Unies, on se réunit donc autour d'une table, on fait des négociations, on élabore un document, un rapport, mais uniquement comme une fin en soi, en quelque sorte. Et à l'époque, j'ai dit, si on procède de telle manière, je ne vais pas participer. Nous, par contre, on a suivi une approche tout à fait différente. On a tout simplement rédigé une charte, une espèce de projet. Nous nous sommes basés, par exemple, sur les recommandations de Bertrand, de Marie-France. Et en fait, nous avons essayé de nous baser sur... toutes ces recommandations différentes qui ont été présentées. Donc, ce conseil de surveillance peut dicter certaines décisions et nous, en nous basant sur ces recommandations-là, nous avons apporté quelques modifications. Un autre élément crucial est le suivant. Est-ce que, très souvent, on nous pose la question de savoir est-ce que ce conseil de surveillance peut être vraiment, est-ce qu'il peut vraiment agir d'une façon indépendante? Est-ce qu'il ne s'agit pas seulement d'une espèce de théâtre pour améliorer la réputation de votre entreprise? Eh bien, nous avons créé une fondation... à titre fiduciaire. Et ce fonds coopère avec le conseil de surveillance, mais il n'y a pas de lien direct avec l'entreprise de Facebook. Actuellement, nous avons 3 vice-présidents. Après, on recule un pas. Et le conseil de surveillance définit la composition de son institution. Donc, nous nous basons constamment sur les échos. Merci de nous avoir fourni ces explications. Apparemment, c'est une véritable approche multipartite. Nous constatons très souvent qu'indépendamment de la qualité des processus et procédures,
indépendamment du bon choix des acteurs, indépendamment de la qualité des recommandations, le défi, le véritable défi est le suivant. Dès qu'il y a des recommandations et dès que ces recommandations ne sont pas prises en considération, il faut se poser la question de savoir quels sont les effets. Et quand on parle du conseil de surveillance, je pense quand même qu'il s'agit d'une réussite très avancée d'avoir instauré cet organe. Et comment est-ce que vous réagissez si les décisions ou les recommandations ne sont pas prises en considération? En fait, nous avons un délai de 7 jours pour mettre en œuvre les recommandations respectives. Tout cela se passe dans un processus tout à fait transparent. En ce qui concerne les recommandations politiques, en fait, ce sont de pures recommandations non contraignantes. Très souvent, on nous pose la question de savoir, mais est-ce que ça a un véritable impact? Et moi, je réponds toujours, dès qu'il y a la société civile qui est impliquée, il s'agit d'un véritable poids. Et si on ne se base pas sur ces recommandations, si on ne les prend pas au sérieux, on a un véritable problème. Donc tout d'abord, bien évidemment, nous évaluons ces recommandations pour voir s'ils sont faisables techniquement. Mais dans un deuxième temps, nous poursuivons un processus de prise de décision politique pour voir si ces recommandations sont vraiment adaptées. Donc, je reviens à cette obligation de rendre des comptes, cette responsabilisation. Oui, je pense dans ce contexte, encore une fois, la transparence est essentielle. Je vous remercie donc de nous avoir apporté ces contributions. Maintenant, on a la possibilité de poser des questions. Je vais donc tout d'abord accepter 3 questions du public. Et pour augmenter la diversité, je voudrais mettre un accent sur la diversité, mais si ce n'est pas le cas, ne vous inquiétez pas. Donc, bonjour, je suis un scientifique du Brésil, je m'appelle Fernando, et j'aurais une question, la question suivante. Au cours des dernières années, les réfugiés, les migrants et un grand nombre de minorités se sont exprimés dans les réseaux sociaux. Et c'est par ce biais qu'ils ont exercé une grande influence sur les décisions politiques. Pensez par exemple à la République démocratique du Congo. Il y avait plusieurs groupes qui ont vu le jour sur Facebook et sur WhatsApp. Et j'aimerais poser une question à Zoé et à Madame Savadi. Comment des entreprises telles que Facebook et WhatsApp peuvent coopérer avec les gouvernements pour réguler ces groupes? Dans mon pays, il y a quand même un vif débat concernant l'organisation numérique d'un parti politique. Ça, c'est un énorme défi, tant pour le secteur public que pour les médias sociaux. Merci d'avoir posé cette question. Le monsieur à droite, je m'appelle Salvador. Je travaille auprès de l'université de Harvard. J'ai une toute petite préoccupation qui est éventuellement infondée. Mais j'ai un petit peu peur d'un recours exagéré à cette notion de l'approche multipartite. Hein. Et à mon avis, on risque un petit peu de perdre de vue ce que ça signifie concrètement. Donc, comment gérer ce problème? J'aurais une deuxième question. Je reprends l'exemple de Facebook. On a dit qu'il y a une obligation de responsabilisation, donc qui prévoit que Facebook doit
prendre en considération les recommandations qui ont été exprimées. Mais il y a un très grand nombre d'acteurs qui n'ont même pas le poids politique pour se faire comprendre, pour se faire entendre. Qu'est-ce qu'on peut faire dans leur cas? Qu'est-ce que les plateformes peuvent faire pour justement répondre, pour les contraindre quand ils obligent de rendre compte? Merci. Je m'appelle Aved Abejam. Je représente Election Watch et j'aurais deux questions à vous poser. La première question concerne la monopolisation ou plutôt l'oligopolisation des processus électoraux. Si vous pensez aux élections aux États-Unis l'année prochaine, 50% de la campagne électorale ou des dépenses pour les campagnes électorales seront probablement dépensées dans les réseaux sociaux. Et on peut très bien s'imaginer comment cela va se passer. Et là, le problème de la transparence est crucial. Bien sûr, il faut avoir de la transparence dans un grand nombre de sujets, mais dans les élections, j'en suis pas trop sûre. Donc, comment faire en sorte que les médias sociaux et les entreprises qui les gèrent, ainsi que les plateformes, n'anticipent en quelque sorte le résultat des élections avant la publication, avant que le résultat soit connu officiellement? Merci pour cette question. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un à distance qui souhaite poser une question? Oui, merci. Je m'appelle Maria. Je suis donc responsable des questions qui ont été posées en ligne. J'ai une question posée par Jean-Philippe Rubin qui souhaite savoir quelle est la position concernant l'addiction électronique, pour ainsi dire. Donc, par cette addiction, il entend un syndrome dans lequel on n'est plus capable de se contrôler soi-même, de gérer son temps, le temps qu'on passe sur les réseaux sociaux, etc. Et Jean-Philippe aimerait savoir comment on peut aborder ce sujet, comment on peut aider les personnes concernées par ce problème. Donc, il y en va des risques de santé qui sont soulevés par Internet. Merci, Maria. Veuillez m'excuser. Est-ce que... Veuillez m'excuser, j'aimerais... Il serait quand même très utile que les questions qui sont posées soient en lien avec le sujet de notre session. Merci. Donc, il y avait tout d'abord une question concernant les élections, puis le déséquilibre des pouvoirs dans les processus multipartites, puis il y avait les questions concernant la monopolisation et puis l'addiction. Donc, tout d'abord, l'approche multipartite. Zoé, je pense que vous êtes bien placée pour répondre en première à quelques-unes de ces questions. Merci. Effectivement, j'aimerais répondre à cela parce que cela me concerne directement dans mon travail. Donc, je vais essayer d'être le plus efficace possible. Tout d'abord, concernant le processus électoral. Tout d'abord, j'aimerais clarifier que nous œuvrons en faveur de la transparence. Bien évidemment, nous traitons également de la publicité. Cela signifie que nous sommes en train de développer des outils, des technologies qui nous permettent d'informer la présidence de notre entreprise. Donc, il s'agit vraiment de prendre des décisions au plus haut niveau. Deuxième chose, deuxième commentaire. J'ai coopéré avec le gouvernement du Congo dans mes fonctions précédentes et je sais à quel point il est important d'impliquer la société civile, les entreprises, donc vraiment tous les acteurs. Et en ce qui concerne cette commission de surveillance, effectivement, il n'y a pas de représentants du gouvernement. Et nous avons déjà entendu que c'est crucial pour instaurer la transparence.
qu'il faut pouvoir agir indépendamment des PDG, des directeurs de notre entreprise. Donc, c'est peut-être pas une véritable réponse, mais ça a quand même un lien avec les déséquilibres, avec les asymétries sur le continent africain. Nous savons que toutes les régions du monde n'ont pas des mécanismes formels qui permettent de s'opposer à telle ou telle décision. Donc, dans quelques régions, il est très difficile de s'opposer à tout cela. Et on risque d'être puni pour un comportement illicite. Mais nous sommes très conscients de cette peur qui règne, de cette préoccupation qui freine en quelque sorte les utilisateurs de s'opposer et de faire des plaintes. Donc, pour l'avenir, nous prévoyons un système qui permet de s'opposer non seulement par écrit, mais également par d'autres moyens, par des messages électroniques ou quoi que ce soit. Il y avait encore d'autres sujets qui ont été soulevés, la transparence et l'utilisation d'autres outils qui doivent augmenter la transparence. Effectivement, cela peut aider à rompre ces déséquilibres. Donc, effectivement, augmenter la transparence, cela est essentiel. Lisa, vous avez la parole? Oui, moi aussi, j'aimerais parler de ce déséquilibre des pouvoirs et des possibilités d'avancer avec cette approche multipartite. Je pense que le processus dont nous parlons actuellement est déjà une réussite en tant que tel. Nous coopérons avec des experts, des partenaires qui sont des experts en termes d'utilisation. Ce ne sont pas forcément des experts d'éthique, mais ce sont des scientifiques qui travaillent sur les technologies de l'avenir. Et c'est une pure illusion que les anciens diplomates ont vraiment réalisé un travail fructueux. Nous, par contre, on coopère avec les représentants syndicaux, par exemple, avec toutes sortes d'acteurs. D'une perspective européenne, ça peut sembler un peu bizarre, mais aux États-Unis, les syndicats ont quelque peu perdu leur poids. Nous parlons également avec ceux, avec des détenus, avec des prisonniers. Nous parlons également dans le contexte des véhicules autonomes, par exemple. Nous nous adressons également à ceux qui n'ont pas de permis de conduire. Donc, nous essayons de nous adresser à tous ceux qui n'ont pas forcément un lien avec ces nouvelles technologies. Et concernant ce déséquilibre des pouvoirs, nous savons très bien qu'un grand nombre des organisations industrielles ont un pouvoir énorme. Et nous essayons, pour cette raison, de ne pas se concentrer uniquement sur ceux qui détentent ce pouvoir, mais selon notre approche multipartite, nous essayons de faire en sorte que les décisions soient prises également par ceux qui sont directement concernés par les technologies. Et voilà, nous essayons donc de faire en sorte que tous les acteurs, indépendamment de leur connaissance ou de leur degré de technicité, participent à la prise de décision. La symétrie du pouvoir est toujours compliquée. Il y a celui qui a l'information, l'autre qui a le pouvoir, le troisième qui a l'argent. Si on veut vraiment opter pour un processus multipartite, il faut faire régner la transparence sur le pouvoir qu'on détient et comment donc on souhaite rebondir là-dessus. En tant que process multidisciplinaire, notamment sur les addictions, par exemple. C'est une bonne chose. Moi, je n'y connais rien en matière d'addiction à Internet, mais il faut bien qu'il y ait des personnes qui puissent répondre. Vous avez dit quelque chose tout à l'heure sur le spectre. Ceux qui ne connaissent pas le spectre ne devraient pas en parler. Maintenant,
Dans une autre partie de la société Internet, on travaille en communauté. Et la disponibilité de ce spectre ou spectrum est quand même cruciale aussi pour l'accès à Internet. On a la responsabilité de relever le débat au niveau adéquat pour répondre à la question politique. Alors, quel est le rôle du spécialiste? Il va faire l'analyse de la densité du spectre, etc. Mais quid de la demande de la part donc de la politique publique? Et je pense que c'est une responsabilité partagée qu'on a dans cette approche multipartite. Il faut veiller à avoir la bonne contribution du bon spécialiste au bon moment. Oui, voilà, encore une fois, cette histoire de silo qu'il faut surmonter. C'est tout à fait vrai. Merci. Kenneth. Alors, avec cet exemple que j'ai cité au niveau de spectrum ou spectre, eh bien, dans une approche multipartite, lorsque l'on identifie les représentants des différents groupes, c'est la responsabilité du groupe de garantir que la personne nommée détient vraiment le savoir adéquat. Ce que nous avons fait sur la base de défis qui nous ont été lancés, c'est que lorsqu'on construit une approche multipartite, on essaye de former les gens, de la sensibilisation de base, etc., le renforcement de la confiance pour vraiment leur permettre de participer. Alors, en ce qui concerne cette question du pouvoir, s'il y a un équilibre au niveau des différentes parties, c'est une bonne chose. Un exemple, un comité consultatif ou de pilotage de haut niveau, avec même des ministres participants. Si on a par exemple un président issu d'un gouvernement, on pourrait avoir un co-président issu de la société civile, afin d'avoir un certain équilibre des pouvoirs. Voilà, si on peut établir un équilibre à tous les moments, en fait, de la conception du dispositif, cela serait utile. Oui, effectivement, c'est là l'équilibre que nous recherchons. On a évoqué la situation de Yassi. J'ai eu l'occasion d'en parler sur un forum sur Internet, et là je ne vais pas y revenir, mais si on considère la situation sociopolitique d'un certain pays, il va être difficile de prévoir qu'il n'y aura plus jamais, par exemple, une fermeture d'Internet. Il peut y avoir des réalités locales qui vont déclencher certaines réactions bonnes ou mauvaises. Et les mauvaises démarches peuvent effectivement avoir un impact néfaste sur la vie de beaucoup. Facebook, l'IA vont essayer évidemment d'établir un équilibre, mais il y a parfois aussi des petite fermeture, parce qu'on va, par exemple, effacer des choses malveillantes sur Internet. Mais notre pays, par exemple, il n'a pas ce pouvoir-là. Je ne pense pas qu'il faille absolument en arriver à ce niveau-là. Il faut vraiment exprimer les préoccupations existantes et voir ce qui peut, par exemple, impacter sur les droits des gens. Si on avait eu Internet il y a quelques années, des élections n'auraient pas été ce qu'elles étaient. Parfois, il y a tellement de tensions, de passions, que les choses peuvent partir en vrille.
et ça peut mal se terminer. Nous ne sommes pas au niveau d'une démocratie libre avec une pleine compréhension des uns et des autres. Si vous avez des tribus, etc. Et là, Facebook peut peut-être nous aider à gérer la donne et éviter ces abus et aussi les fermetures. Sur le multipartite et la fermeture, il y avait quelqu'un au sein de la société civile qui était aux prises avec une plainte concernant une fermeture à ce moment-là. C'était une entreprise de télécom, par exemple, qui perdait de l'argent ou d'autres parties perdant de l'argent. Mais ceux qui se sont plaints, finalement, c'était des personnes handicapées. Ce n'était pas ceux qui perdaient de l'argent, mais des pans de leur vie. Ils ne pouvaient pas communiquer, échanger avec les gens. Ils sont en marge de la société par manque d'Internet. Voilà pourquoi l'approche multipartite est importante. On a besoin de ces politiques-là parce que l'impact d'Internet est énorme. Il y a parfois des utilisateurs auxquels on ne songerait même pas et qui pourtant s'en servent encore beaucoup plus que vous. Cela évoque le besoin de comprendre le contexte. Il n'y a plus de monde numérique et analogique. Peut-être que quelqu'un n'a pas de smartphone, mais tout le monde, à un moment donné, va être confronté à ce besoin-là. Merci. Oui, je serai brève. Nous avons entendu parler de tous ces défis qui, en partie, sont existentiels, comme l'addiction à Internet, l'IA, etc. L'approche multipartite sera essentielle pour faire face à cela. Il y a donc certains exemples d'éléments qu'il faut aborder de façon inclusive. Lorsqu'on évoque l'approche multipartite, une préoccupation est citée comme quoi c'est un peu comme un bouclier dont on se sert pour cacher autre chose. Construire la confiance dans une approche multipartite, je l'ai dit, est déterminée par le degré de transparence qui règne. Il y a eu quelques bons exemples, des contrats passés, être à l'écoute et préoccupations. Nous avons cité le fameux conseil de surveillance Oversight Board de Facebook et aussi un engagement en matière d'écoute qui est essentiel. Je ne sais pas si on aura le temps pour un mot de la fin, mais les solutions, à mon avis, ne seront pas que techniques. Il y aura des réponses techniques lorsqu'elles seront appropriées. L'Internet de demain est un projet collectif et nous assumons tous la responsabilité en la matière. Et il faut vraiment rebondir sur les défis, tirer les enseignements des process multipartites. Ce sera essentiel. Bon, évidemment, l'approche multipartite n'est pas parfaite, mais il y a quand même quelques principes clés qui doivent nous guider. Tant qu'on est prêt à apprendre, on pourra aboutir. La gouvernance d'Internet, l'IGF, c'est effectivement une question essentielle pour beaucoup. La Chambre de commerce internationale, pourquoi est-ce qu'elle se lance dans une approche multipartite? Parce que c'est logique, c'est un bon investissement. Sans les bonnes parties prenantes, il faudra recommencer à zéro. On perdra beaucoup de temps. Je ne vois pas de dichotomie entre
cet exercice de longue haleine qui prend beaucoup de temps et la deuxième approche, à mon avis, c'est tout à fait méritoire. Et ce que disait Kenneth, oui, évidemment, il faut renforcer les capacités, c'est une évidence. Mais toutes les parties prenantes sont concernées. On ne peut pas pointer les uns et les autres et dire, voilà, c'est vous. Non, qui dit approche multipartite dit compétence, dit engagement, exigence. Et là, je parle pour moi, j'ai beaucoup appris chemin faisant. Et c'est vrai de beaucoup. Est-ce qu'il y a des asymétries du pouvoir? Oui, mais elles évoluent, elles aussi. Un expert autour d'une table n'est peut-être pas celui que vous le pensiez. Et il faut aussi toujours des pivots qui permettent donc de faire aboutir cette approche multipartite. Oui, nous travaillons avec des gouvernements, avec la société civile, avec tout le monde. C'est mon premier IGF à part entière. Je suis très heureuse d'être là. J'ai beaucoup appris pendant cette semaine. Je suis très surprise par l'engagement de longue haleine, de beaucoup ici. Les profils divers aussi m'impressionnent. Et je pense que c'est vraiment un bon investissement d'être ici, de participer à des travaux autour des différentes questions qui se dégagent. Il y a quelques années, c'était IUT qui était le grand sujet. Aujourd'hui, c'est l'IA. Donc, c'est un laboratoire qui nous permet de nous impliquer dans les bons process avec les bons responsables. Merci de m'avoir invité. Merci, Sophie. Vous avez évoqué la passion et l'engagement plus tôt déjà. Qui a participé aux conversations 8-6? Merci pour cet engagement long terme autour de ce processus. Quelques mots de la symétrie des pouvoirs. Nous avons évoqué que les gens parfois s'enferment. Au sein de l'OCDE, nous avons 20 différentes commissions et puis toujours différents représentants. Ils ont leur propre perspective et donc, côté argent, ce n'est pas trivial pour les organisations de la société civile. Nous tentons de les encourager à participer aux réunions parce que leur contribution est importante. La question en ligne sur l'addiction à Internet m'a paru intéressante. Nous avons commencé à analyser l'impact sur la santé d'Internet. Il y a des choses assez inquiétantes, mais il y a aussi l'autre côté de la médaille, la télémédecine, par exemple, qui apporte la santé à des régions éloignées, des gens qui n'avaient pas accès à des conseils médicaux. C'est l'impact de la transformation numérique sur le bien-être général. C'est difficile, vous avez les deux côtés de la médaille. Vous avez les risques, mais aussi les avantages. Alors, comment parvenir à un équilibre? Nous nous y sommes intéressés au niveau de la mesure, mais on a besoin des deux, le risque et l'avantage. C'est ce qu'on souhaite continuer de faire. Et d'autres devraient s'y joindre aussi. Essayer de voir quel est cet équilibre fragile. Le bien-être, évidemment, c'est notre objectif ultime. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'adore cette idée d'équilibre. Il nous reste une minute. Je voudrais remercier tout le monde pour les contributions de grande qualité. Quels sont nos enseignements? La politique dans un cadre multipartite sera couronnée de succès à condition d'être inclusif et pas exclusif. Avoir des coprésidents, par exemple, qui travaillent ensemble, comme l'a dit Kenneth. La transparence, très importante. L'idée qu'on peut utiliser de nouveaux outils du 21e siècle pour être plus transparent, pour améliorer le process et augmenter la confiance. Les processus inclusifs, multipartite, transparence, outils modernes, résultats équilibrés, décisions chevronnées. Il y a vraiment beaucoup d'enseignements attiré de ce panel. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres et je remercie encore une fois les panélistes.